Voilà, alors moi, mon souci, c'est que j'ai vraiment besoin d'aide pour tous les actes de la vie quotidienne. Et quand j'ai plus de tierces personnes avec moi, eh bien, j'arrive plus du tout à répondre au téléphone, à ouvrir et fermer les volets, à allumer les lumières, à ouvrir la porte d'entrée. Je ne veux plus rien faire. D'accord, donc quand vous êtes toute seule, vous êtes totalement dépendante. Oui. D'accord. Ce qui serait peut-être intéressant dans un premier temps, c'est de réorganiser tout l'aménagement autour de votre lit. Un simple exemple, cette lampe, il pourrait être tout à fait intéressant de rapprocher l'interrupteur de façon à ce qu'il soit beaucoup plus accessible. Ah oui, en effet, oui, j'y arrive mieux. Pour les communications, il peut également être intéressant de vous installer un téléphone juste à côté du lit, de cette manière. D'ailleurs, là, on voit que installé comme ça, c'est plus difficile pour vous. Donc là, on n'hésite pas à retravailler l'installation. Je fais passer l'interrupteur sur le côté et je vous mets le téléphone de façon à ce qu'il soit accessible. Oui, là, c'est bien. Oui, c'est bien. Ce qui est également intéressant, c'est dans le choix du téléphone de prendre un modèle équipé de touches mémoire qui vous permet d'éviter l'usage d'un calepin ou tout autre appareil pour vous souvenir de vos numéros de téléphone. Donc voilà, cette première partie qui consiste à aménager tout ce qui se passe autour de votre lit et une deuxième partie pour contrôler davantage l'ensemble de la maison avec la domotique, qui, elle, va vous permettre de contrôler chaque appareil électrique indépendamment en fonction de vos besoins. D'accord. Pour faire ce contrôle, on peut utiliser éventuellement des smartphones, hein, les téléphones actuels, sur lesquels un logiciel est installé permettant de contrôler indépendamment les volets roulants de votre chambre, la lampe du couloir, la porte d'entrée éventuellement. D'accord. Vous pouvez également utiliser des tablettes comme celle-là, dans la qui va vous permettre de choisir les pièces de votre logement et dans chaque pièce de contrôler tous les appareils qui s'y trouvent directement. D'accord, alors avec un seul appareil, je pourrais commander tout ce qui se trouve à distance dans mon logement. Tout à fait, tout ce qui est électrique. Oui, en effet, ben ça me faciliterait vraiment le quotidien.